bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Blue Dragon. La dernière fois, on avait réussi à trouver la feuille de bananier qu'on cherchait pour faire le remède. Il ne reste plus qu'à retourner au village. Et je crois qu'on peut le faire par téléportation. Alors, je crois que c'est le village de Lago. Téléportation, Scotty! Mais bien sûr. On se retrouve ici. On va peut-être redescendre. On retourne à la salle principale, là où il y a tous les malades. Cookie a dit qu'il fallait une bonne nuit de sommeil pour laisser agir le remède. Vraiment? Alors tout le monde ira mieux demain matin? Hein? Hein? Tu es sûr? Hein? Tu vas voir. Ils vont aller mieux. Ok. Ok. C'était bien comme cinématique là, la nuit. Normalement, on a tout récupéré là, nos PV, nos PO, tout, tout. Maru Maru ? Hey, je vais avoir un bleu. Clouqué, Giro. Clouqué et Giro ne sont pas là, où peuvent-ils bien être ? Ok, je peux me déplacer. Ok, il dort. Maru fini. Je peux plus rien avaler, ne pas cacher, je vais le manger. Il n'y a pas un petit coffre là dans le coin? Non. Rien dans votre truc là. J'ai trouvé une herbe épineuse. Maison de Maru Maru. Pardon. Y voit. Ah, j'ai un antidote, ça c'est cool. Un autre antidote, j'en ai plus, j'ai tout utilisé. De l'or. Une poêle. Un antidote, il y a un antidote dans la poêle. Les... Un placard et un flux mental. Alors, je sais pas trop ce que c'est ça. Il n'y a rien. Passer de l'autre côté. Ok. J'arrive pas à dormir. Je vais peut-être à demain. Oui, bon, bah d'accord. On va aller faire un tour par là-bas. On va aller voir s'ils sont pas dans le coin, les pépères. Là, il y avait des coffres. Est-ce qu'ils sont ouverts?
Toujours pas. Eh ben. Y'a personne. Rien. Un coffre. C'est toujours verrouillé. Au moins ils sont pas dans les grottes. Bon, descendre hein. Ils sont planqués. Et regardez dans la salle. Il faut que... Non, ah. Si, ils sont là. Luke, j'ai préparé le remède pour demain. Merci. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours voulu être médecin. Mais je n'aurais jamais cru avoir autant de patients d'un coup. Je vois ce que tu veux dire. Mais ça me plaît bien. Tout le monde dort paisiblement. Mais toi, tu n'as pas l'air de dormir. Toi non plus, tu ne dors pas, Jiro. Eh bien... Tu t'es réveillé et j'étais inquiet pour toi. Merci. Ouh là là, ça sent la jalousie à plein nez, ça. Pour tout dire, j'ai vraiment très peur. Peur ? De ce qui va se passer demain. Parce qu'on saura si le remède a fonctionné ou pas, hein? Je ne devais pas avoir plus de 8 ans quand mon père a dû soigner cette maladie. Je ne peux m'empêcher de penser, et si mes souvenirs sont flous et que je me suis trompée? Tout ira bien. Quand Maru Maro m'a supplié de lui dire que ça marcherait, tout ce à quoi je pensais, c'était « Et si ça marche pas ?» Alors, c'est là que j'ai réalisé que toutes ces vies sont entre mes mains. Je peux pas penser à autre chose et ça m'empêche de dormir. Mais il faut absolument que tu dormes un peu. Ils auront encore besoin de toi demain, quand le pire sera derrière eux. T'es vraiment trop gentil, Jiro. C'est que je me fais du souci pour toi, tu sais. Merci. Clouquet, tu veux toujours tout gérer toute seule. Oh. Pourtant, tu n'es pas toute seule. Tu as le droit de craquer de temps en temps, tu sais, je suis là. C'est vrai? Il t'arrive de pleurer quand tu es seule, non? C'est Chou qui me l'a dit. Il le savait. Les larmes, ça soulage. Alors vas-y, pleure. Ça te fera du bien. Jiro, merci. Eh ben, dites donc. On va savoir si ça marche. Allez, fais péter, voir si c'est bien le remède. Ne plante pas. Ça a marché! Ah bah c'est cool. Ça c'était de la cinématique. Youhou! Ça a marché, ça a marché, ça a marché, ça a marché! Oh,
vas mieux, moi. L'homme au pot de jambes sur la tête. Je me sens bien mieux. Maman, papa. Je déborde d'énergie, moi. Chérie, qu'est-ce que tu dirais me faire un petit dernier? Et pourquoi pas deux? Je tiens une forme olympique. Dansez, dansez tous, la danse de la joie. Joué, Marou Maro. Merci, Clouquet. Merci, merci, merci. C'est bon, c'est bon, là. Tu vas me rendre sourde à crier comme ça. Merci, merci infiniment. Dansez, mes amis. Exprimons tous notre reconnaissance. Ok, on a retrouvé de quoi bouger. On a retrouvé la possibilité de bouger. Parce que vous pouvez être vraiment les sauveurs de la tribu des vies. N'hésitez pas à faire appel à nous si vous avez besoin d'aide. Un jour, nous ferons notre maximum. Ouais. Ce Clouquet est fantastique. Il fera un super médecin. Ça me dit pas ce qu'il doit faire, non. Hein. Ah, c'est ça. Ça fait d'être en bonne santé grâce à vous. Ouais. D'être dépatant, profiter de notre danse. Venez danser avec nous. Merci d'avoir sauvé, d'avoir aidé Marie-Maro. Ok. Que cela mange, je vais tellement mieux. Je ne sais pas encore danser, mais j'ai hâte de pouvoir le faire. C'est énorme, cette statue de quoi? C'est la statue d'un dieu de vie, elle est très ancienne. Ça représente un dieu de vie? Ouais, ça te plaît pas? C'est pas ça, mais vous avez des coutumes très bizarres. Je dirais plus un démon qu'un dieu. Alors, vous moquez du dieu de Maro? Harry Maro, je suis désolé. Je n'aurais pas dû. Toutes les cultures ont leur propre valeur, c'est vrai. Désolé Marie Maro, maintenant que vous le dites, c'est vrai que ce dieu est un peu effrayant. Bon, qu'est-ce qu'on voyait? T'aimes bien la musique? Oh. Marie Maro, mon dieu, viens avec moi. Qu'est-ce que c'est? Ah bah, on va voir qu'est-ce qu'il faudrait faire. J'ai entendu parler de tes exploits, Marou Maro. C'est grâce à eux! Marou Maro, regarde ça! Qu'est-ce que c'est? Je viens de le remonter. Il était au fond de la fontaine. De la fontaine? Oh, regarde bien, Marou Maro. Il y avait la même marque sur la foreuse que le vieil homme t'a donnée. Alors ça veut dire que Néné est responsable du mal qui a frappé le village. Quelle pourriture! Il va le payer cher! Marou Maro, on se charge du reste. Hein? Et ouais, il a des comptes à nous rendre aussi, pour ce qu'il a fait à notre village. Maro, viens avec vous! Hein? Mais tes parents vont bien maintenant. Ta mission est terminée à présent. Reste auprès des tiens. Il n'y a rien de mieux qu'une famille en bonne santé, non? C'est au tour de Maro de vous aider. Quoi?
Hein? Emmenez Maro! Le village de Maro est sauvé, mais pas les autres! D'accord, allons-y! Ouais. Oh, le coffre est ouvert là? Bon, bon. Bon, on fait quoi là? Un truc là? Vous êtes ici? Et on ne va nulle part. Pour tourner dans la foreuse, regardez avant de partir. Hein. Oui, on va dans le cockpit. On va peut-être pouvoir se déplacer. Si jamais. Non. Il ne propose rien. Donc c'est pas là qu'il faut aller. Descendre. On va retourner voir le maire. On a peut-être fini de danser. Ouais, tu es verrouillé. Tiens. La foreuse, non. C'est pas là qu'il faut aller. J'aurais pensé qu'il nous aurait permis de piloter le bignou là. Il n'y a peut-être pas l'air, mais Marmaro, très bien, il serait une grande aide. Vous partez déjà ou faut pas rester peu, ce serait chouette. Je veux bien partir, mais où? C'est gentil les mecs. Ce que vous avez fait m'a vraiment touché, c'est avec toute ma gratitude que j'adresse ces prières. Les yeux de la go vous ont guidé jusqu'ici, c'est sûr. Ouais, super. J'ai pas bougé. Mais... Les voyageurs sont tous retournés chez eux. Ouais. Mmh. C'est ce que je voulais, hein, de toute façon. Les Mongols sont très loin d'ici, préparez bien votre voyage avant de partir. Faut aller aux Mongols. Bon, pourquoi faut aller aux Mongols mais... Tout le monde doit être en entrée et célébrer ça en famille. Oh la vache! Qu'est-ce qu'il vous fait? Asseyez-vous sur le chat à côté de moi, une bonne chose va vous arriver. On dit que si deux personnes s'assoient sur ce rocher, elles tombent amoureuses. Transmis de génération en génération. On pourrait tomber amoureux tous les deux. Hein? C'est pour là qu'il faut aller. Petite, pour une mère. Hein? Vous voulez connaître la meilleure incantation? Si vous l'utilisez, vous mémorisez à toute vitesse. Gagné sur Revista.
transformer entre les intelligences et l'œuvre d'étudier. Ok, peut-être je devrais essayer. Tu vas étudier? J'aurais pas commencé par apprendre à aimer les études? Utilisez-les avant d'étudier. Ok. Mon grand-père était guéri, mais pas l'air d'aller très bien. Ah bon? Rien, punaise. 10 heures. Maison du botaniste. Nous devons la vie, nous n'oublions jamais. Il y a un coffre. Ahmed. Non mais c'est gentil, mais... Les plantes sous-marines sont puissantes, prenez-en au maximum. J'étais au Cléoli si longtemps, mes plantes sont dans un sale état. Ouais, super. Ah ouais, c'est assez flou. Dispositif anti-fantôme. Alors, on voit rien. D'un vieil homme. Merci Marumaro, nous devons une fière chandelle à ta... super. Amen. Amen. Ça tue. Agilité plus 1. On met ça chou. Vous avez ressenti le pouvoir mystérieux, maintenant des statues. Ok. Ben nous, par contre, on va s'arrêter là, parce que ça fait déjà 20 minutes qu'on se balade dans le village. Et on se donne rendez-vous pour la suite dans très très peu de temps. Merci à tous, n'oubliez pas les petits pouces bleus et à bientôt.